drôle. Eh ouais, mais ce coup-ci, c'est pas moi. Je ne suis pas allée. J'y suis pas allée. C'est mon amie Isa qui a fait les courses pour moi. Alors, je mets tout sur la table. Voilà, tout tombe. Super. Voilà. Donc, on va regarder les trésors qu'elle m'a trouvés. Alors, elle m'a pris du ruban comme ça pour faire des serre-têtes à Lina. Alors, Lina est ma petite reborn pour lui faire des petits serre-têtes comme ça. Donc, voilà. Oh, d'ailleurs, elle m'en a comme ça. Donc, ça, c'est joli, hein, moi, j'aime bien. Et ça, pour les fêtes, ça sera joli avec une petite tenue. Alors, je vais faire ça. Ensuite, des sprays. Donc, il y a le bleu. Alors, ce ne sont pas des sprays... de loisirs créatifs, c'est des sprays de cheveux. Pour mettre dans les cheveux. Alors, c'est métallique, comme ça. Et moi, je ne les ai pas encore utilisés parce qu'elle vient de me les donner. Et il paraît que c'est des tueries. Donc, elle m'a dit que c'était 1,59€, je crois. Donc, elle m'en a pris un bleu, un rose, un doré et un argenté. Voilà. Donc, on va faire quelque chose avec ça. Ensuite... Elle m'a trouvé de quoi faire des attaches tototes pour Malo. Ce coup-ci, on change. Donc, sont jolies les perles. Voilà. Donc, je suis à la recherche. Je ne sais pas si j'ai ça dans mes affaires. D'anciennes bretelles. Vous savez, des bretelles des grands-parents. Hein, de nos papiers qui mettaient ça sous les pantalons. Donc, je suis à la recherche de ça. Et si j'en trouve. Je ferai des attaches tototes. Ah, il y en avait un autre. Donc, voilà. De cette couleur-là aussi. Donc, c'est assez sympa. Hein, il y a du beige. J'adore celui-là avec les petits pois. Là. Je ne sais pas si vous allez y voir, parce que c'est dans le paquet. Voilà. Donc, ça, c'est pour Lina. Et ça, c'est pour Malo. Ensuite... elle m'a pris des boutons. Voilà. Des boutons de toutes les couleurs. Alors ça, c'est pour les petits vêtements que je tricote. Voilà. J'ai fait des pulls et tout ça. Ensuite, elle m'a trouvé cette planche-là. Oh, je la trouve trop belle. Avec le petit râle-ton laveur, là. C'est une tuerie. Alors, je vais les photocopier pour les garder, pour garder la planche. Parce que quand il y a des belles planches comme ça, voilà, moi, je les garde. Et après, je les transforme en die-cut. Alors, s'il y en a que ça intéresse, comment faire les die-cut avec les stickers, il y a la vidéo sur ma chaîne. Ensuite, alors, je suis allée à... Ah non, elle m'a pris une fleur comme ça. Une fleur avec toutes les couleurs d'encre. Je trouvais ça super sympa. Voilà. On me demandait pas les prix, je les ai pas. Hein. Ensuite, je suis allée à Nose. Dans la semaine, je suis allée chercher des croissants et des pains au chocolat. Qui sont très très bons d'ailleurs. Et il y avait des plaques embossées. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Et ils étaient à 1,99€. Donc voilà, c'est dommage, j'en avais pas d'autres. J'aurais bien aimé d'autres. Mais il n'y en avait pas d'autres. Et j'ai trouvé une perforatrice fleur. Voilà. Alors je suis en train de me demander si c'est la même que celle-là. Ou si elle est plus petite. Il faudrait que j'essaye. À mon avis, celle-là est plus petite. Vous voyez? Hop, hop, hop. Donc, il faudrait que j'essaie.
Voilà. Donc si je l'en double, et eh ben au cas où je l'offrirai. Parce que ça a l'air d'être à peu près les mêmes modèles. Pas tout à fait, mais enfin bon. Maintenant, on va passer à la récup. Alors, j'ai récupéré plein de choses. J'ai récupéré. Alors, je vais vous montrer. Ouais. Allez. J'ai récupéré des roues comme ça. Je sais pas, pour les personnes qui sont à peu près de mon âge, ils ont dû connaître ça. C'était des roues pour faire des dessins sur des feuilles. En fait, ça tournait autour d'un cercle et puis vous mettiez vos crayons dedans et vous tourniez. Or, le système, on l'a plus. Mais je me suis dit que ça pouvait faire des chouettes engrenages, en fait, pour faire une petite créa. Ça pouvait être sympa. Donc, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré des petits sacs en touchou, comme ça, en papier craft. Alors, ça, c'est pour le Jane qui va arriver, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Voilà, donc j'en ai récupéré. J'ai récupéré, alors, je vais vous montrer. De la récupération en même temps aujourd'hui. Des têtes comme ça sur les vêtements de Malo. Il y avait des petites têtes de nounours comme ça. Et je me suis dit que ça serait sympa d'en customiser quelques-unes et de faire des embellissements avec. Donc j'en ai récupéré 6. Voilà. Donc je me suis dit celle-là pour le vintage et puis celle-là pour le shabby. Et je me suis dit que ça serait assez sympa. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à enlever les étiquettes. Mais enfin, bon, bref. Donc, j'ai trouvé ça rigolo. Donc, je les ai récupérés. J'ai récupéré aussi un petit porte-manteau. Alors, je vous donne pas la marque, mais j'ai récupéré un petit porte-manteau comme ça. Alors, je viendrai voir si on peut découper ça. Bon, c'est pas les bons ciseaux, mais je viendrai voir avec un gars, des garçons qui me le coupent au cutter. Voilà, pour faire un petit... un petit embellissement qui pourrait être sympa. Oui, ça serait sympa pour l'accrocher. Non, voilà. Et j'ai récupéré toutes les étiquettes. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je vous montrerai à quoi ça va me servir dans des vidéos prochaines. Donc, voilà. Donc, il y avait deux petits sacs en papier. Ensuite, mon mari m'a récupéré, alors je vais vous montrer, des vieux bouquins. Voilà. Donc, la Révolution, les Révolutions, les nouveaux cours d'histoire. Donc, classe de première. Voilà. Et j'ai trouvé ça super joli. Il y avait des super images dedans, regardez. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est plutôt cool pour faire des cartes vintage. Hein. C'est des bouquins voilà, hein, qu'il ne pourra plus vendre parce que personne n'est intéressé par ce genre de bouquins. Et donc, il m'a dit, plutôt que ça aille à la déchetterie, voilà, et serre-toi-en. Donc, voilà, c'était plutôt sympa. Il m'a récupéré aussi, mais là, je ne l'ai pas. Il l'a laissé au garage, un carton entier de Parthénon, de musique. Donc, j'en ai préparé quelques-unes pour des copinettes. Voilà. Donc, ça, c'est Hector Malot, Sans famille, tome 1. Donc, voilà. Alors, ils sont mangés. Hein. Parce que là où on entrepose... Les affaires hein, dans l'entrepôt. On a eu un petit souci il y a 2 ans avec des souris. Donc voilà, alors on a éradiqué les souris. Mais ils nous avaient fait des dégâts. Hein. Souris et rats d'ailleurs, parce qu'on a trouvé même un rat crevé. C'est relativement assez sympa. Donc voilà, donc ça, c'est pour mettre dans le junk. Ça va me servir et dans les créas. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré un grand sac comme ça.
de la marque, on s'en fout. Donc pour faire mon junk. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? J'ai récupéré un sac en craft de Monsieur Sourire que mon mari a récupéré au boulot. Et je me suis dit que ça pouvait faire une super couverture de junk. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Ah non, de la ficelle. Un petit bout de ficelle comme ça qui était rigolo. Non, voilà. Donc, tout ça, ça va aller dans mon junk, à part ça, parce que ça, ça va pas dans le junk. Mais tout ça, ça va aller dans le junk. Et puis, on essaiera de faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Je vais vous faire de gros bisous. Je pense bien fort à vous. Je vais voir ce que je peux vous faire là maintenant pour voilà, hein, on va dire ça comme ça. Je reste sans voix d'ailleurs, je reste de point toi. Et puis je vais vous faire de gros bisous, je vous dis à bientôt, je vous aime. À penser à liker, un pouce, à vous abonner, si vous saviez comment ça me réchauffe le cœur, et ça coûte rien, voilà. Et activez la petite cloche si le cœur vous en dit. Allez, et puis partagez si vous avez aimé. Allez, à bientôt. Je vous aime. Au revoir.